Base Katsamaruzo attaqué un cortège ambassade américaine et gagne un chauffeur qui recevoit un cartouche. Est-ce que monsieur Mouri rete connecté nous pour ba tout détail concernant information ça dominicain continue vraiment bon, c'est ça son massacre dominicain continue à massacrer haïtien république dominicaine n'a pas regarder vidéo ça à côté que capable dit soldat c'est pas même des agents de l'immigration on est là yo lagué travail ça dans mes soldats et dominicain qui après rentrer dans caille et le pire n'est tellement capable de gagner yon rancune gagner yon haine acharnée contre haïtien et bien même dominicain tout yo déporté même dominicain le fait que seulement j'étais noir et bien yo déporté monsieur tout sans tenir compte sans même vérifier papier monsieur yo déporté cela veut dire que bagage yo grave était branché moi et pral ba nou ouais vidéo qui jan ça t'est passé Ariel Henry jeune de connait remplacé ministre intérieur Litkitel et bien bral fait nous tendre et discours Ariel Henry discours Litkitel qui a quitté avec un sentiment du travail accompli parce que haïtien qui était sans honte derrière on est que révoqué hein yo révoqué parce que yo inculpé dans une série de mauvais et actions et bien pour quitter ton poste avec le sentiment du travail accompli parce que haïtien pas joué et si vous pouvez faire ça abonner avec information dernier là pour encourager le travail que n'a fait qui j'en fait ça ou à aller na abonner ou à peser on petit cloche apparaît ou à peser sous cloche là mettez le sous tout ou bien mettez le sous all pour capable rentrer dans famille information dernier là. Eh bien oui, Jacques que moi te dis nous mes amis dominicains a fini avec haïtien. Vraiment, yo a fini avec haïtien. Bamba nous garder deux petites vidéos qui permettent que sans que me pas fait trop commentaire, qui permettent que nous comprenne de qui ça m'a parlé nous. On garder petite vidéo ça. Voilà, dominicain a matraqué haïtien parce que il revient maintenant nous-mêmes hein, pour nous prendre et destin nous en main. Eh bien oui, Jean que me dit nous bon ba nous tendez Ariel Henry et ministre intérieur qui youn tap aller l'autre la tap rentrer. Ariel Henry tellement a bien dirigé pays a bien dirigé tête ministère parce que Ariel Henry c'est le ministre des ministres c'est le premier des ministres et bien monsieur tellement a bien dirigé et bien monsieur remplacé ministre intérieur entendez ensemble qui Jean Nagyo et t'a fait petit passe-cout avec ministère intérieur. Comme on a déjà commencé aussi à informatiser le système des pôles locatifs, ça veut dire le titulaire de la mairie d'une commune peut, non seulement avec l'informatisation, savoir quels sont les gens qui ont payé l'impôt, mais avec l'identification du patrimoine bâti, peut aussi voir
quel est le budget, quelle est la potentialité de sa commune et préparer un budget en accord avec cette potentialité. Ce sont des outils de nouvelles technologies qui permettent d'assister les collectivités de façon à être plus efficace et de façon à donner plus de services à la population. Il y a aussi le projet d'interconnexion des collectivités qui devra permettre à toutes les collectivités d'être interconnectées. Donc, il nous faudra, Monsieur le Premier ministre, comme je vous parlais tantôt, aussi une infrastructure qui pourra relier les différentes entités gouvernementales, ce qu'on appelle un backbone gouvernemental qui ne dépendra pas des compagnies de communication qui, pour le moment, des fois, ils ont des problèmes, mais l'État, c'est un instrument prioritaire, stratégique, et il se doit d'avoir son propre instrument. Donc, moi, j'ai essayé d'insuffler le vent des nouvelles technologies. Et comme vous avez dit à plusieurs reprises, les nouvelles technologies nous permettent de faire un bond en avant, nous-mêmes qui sommes des petits pays, parce qu'on n'avait pas d'infrastructure, mais l'infrastructure numérique nous permet d'être au même rang, au même pas que les grands pays. Parce que les grands pays aujourd'hui, vous demandez un passeport, ils ne vous donnent pas ça le même jour. Dans les grands pays, que ce soit les États-Unis ou au Canada, si vous êtes en Outre-mer, on ne va pas vous donner le passeport en 2 jours, 3 jours, 4 jours ouvrables. Vous avez un temps pour attendre. Donc, en utilisant ça, on peut avancer. Je ne vais pas être trop long parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font au niveau du ministère. Vous êtes de retour chez vous, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes un habitué. Vous êtes retourné au bercail. Donc, je vous cède la parole. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le directeur de cabinet. Bonsoir, Monsieur le ministre sortant, Monsieur le secrétaire d'État, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je reviens dans ce ministère. J'ai gardé des amis, j'ai gardé aussi beaucoup de souvenirs. Après-midi, pour me dire, le ministre Lise Kittel, merci. Merci pour avoir servi son pays pendant 16 mois. Nous faisons un pile bail ensemble. Et penser qu'on va toujours continuer qu'à aider le pays. Moi, j'ai accepté pour un petit temps très court pour le ministre de l'Intérieur. Nous voulons redynamiser le ministère et nous compter sur chaque monde qui travaille ici, sur éthique, sur puissance de travail, pour que nous travaillions un pays qui est plus sûr, où nous sommes capables de bailler un pays des fonctionnaires qui sont au service de la population et à l'amélioration de cette population. Moi, je voulais dire tout que moi, j'ai choisi un petit peu à la va-vite et m'excuser. Je choisis comme chef de cabinet, moi, ici de là, il y a un monde qui a une grande expérience de ministère. Ça. Il était directeur général ministère intérieur et collectivités territoriales. Il était assistant directeur de cabinet, moi, l'MD ministre. Et c'est lui qui a pris plus souvent que moi. N'empêche que préoccupation nous apprêtait pas moins et que accessibilité moins gagnée et tout le monde qui a travaillé dans le ministère de l'Intérieur que qu'on aime toujours accessible n'a fait li à travers M. Paul Harry Voltaire que me choisi comme chef de cabinet. M'a fait un long discours. On remet nos travail. On fait que pays en ouais que n'a travail pour lui et on avancer
pour nous bailler service à tout le monde, quelle que soit origine sociale, yo, mais quelle que soit aussi origine politique. Yo. Et surtout, en fait aux gens, pour que la transition soit faite rapidement, dans l'ordre, et que nous allons dans l'élection, en élection côté peuple qui a choisi librement. Base 400 Marozo, je que moi dis nous au départ, base 400 Marozo attaqué yon et capable dit cortège de l'ambassade américaine en pile balle tiré. Bon c'est que et finalement nèg yo rivé et dans limite yo, nèg yo rivé dans limite yo et moi pense que ça capable inciter la communauté internationale vraiment pour regarder qui j'aime qu'avoir une force militaire en Haïti. Parce que l'information c'est quoi? L'information c'est que base 400 Marozo et bien yo attaqué un convoi de l'ambassade américaine, pas quoi ambassadeur a été là-dedans. Et bien yo tiré sur lui et gagne un chauffeur qui recevoir balle gagne et m'a dit machine police qui t'est accompagné et capable dit qu'on voit ça qui recevoir en pile cartouche. Heureusement pas gagné et policiers qui mourir ni et pas gagné personnel de l'ambassade américaine qui touché, mais le fait est certain que capable dit monsieur Sao nèg yo montré réellement que nèg yo pas grien dans de pour mal camper nèg yo a metté balle sous. Et bien oui, j'ai que moi t'a pral dire me font petit camper me débat information. C'est que si vraiment c'est pas une décision qui prend et me pense les États-Unis à partir de action ça les États-Unis commencent ouais ça si pas gagne une décision qui prend avec bandi en Haïti le pire à privé parce que une bagaille pour nous mettre accent sur lui. On pense que même l'État ou bien et ti monsieur qui dans la police faut mettre accent sur yo. Il était une fois lorsque on machine dans main qui blende, même si machine dans blende de niveau 2 et bien ou getan en sécurité. Pour qui ça? C'est parce que type zam qui nan main et bandi à cette époque qui pat même en pile nèg ça aussi c'est de nèg qui te ra les âmes sou ou mando bou sou pran téléphone nou c'était seulement ça. Et par contre si nous font remarque est-ce que nous pas ouais nous pas tande que encore que moun kap sot la banque yo attaqué yo nous pas remarqué ça moun kap sot la banque kal pran 100,000 goud kal pran 200,000 goud nous pas est-ce que nous pas tande nous pas ouais que yo pas attaqué moun sa yo encore nous pas jamais poser tête nous question pour ça c'est parce que monsieur ça te connait ça nèg yal font l'autre travail. C'est la réponse monsieur Sayo qui te kon fait type de travail Sayo nèg yo al font le travail ce travail c'est quoi et men nèg yo al fait kidnapping pito pour ce kidnapping n'est pas bien le plus rentable le nèg la nèg pon la nèg la fait $100,000 américains avou waou combien moun on t'a besoin cap saute la botte cal prend $100,000 américains. Ça c'est peut-être un business qui et a le fondé pour qu'on ça le fond retrait si qu'on va yo pour acheter un terrain etc. Mais on particulier pas jamais al prend type de comme ça la banque en plus nous sommes en Haïti un pays pauvre donc ça va privé. Mais est-ce que nous pas remarqué que nous pas tant de bagages ça encore? Eh bien c'est parce que nèg qui te kon fait travail ça yo nèg yo et al fait le travail. Maintenant, ce que je voulais dire, eh bien, si vraiment, par une décision qui prend avec M. Sao, le pire à privé, parce que type ZAM qui n'a mené que Kounia là, eh bien, machine blindée, pas exempté ou de attaque nek sa yo. Eh bien, nous ka étonné. Moi-même parti j'en bagin bouche cabrite ça m'a dit à son analyse m'a fait c'est pas une nouvelle et bien on le nèg ça ca scène on convoi ambassadeur à la dan ou bien ambassadeur d'un pays étranger là dan nèg fusil lui nèg ca fait lui nèg fusil
nèg yo pose nèg yo bam di ou le nèg a tiré nous d'accord que cartouche pas gagné pas gagné zami il pas gagné zami il pas dit bon et ou son ambassadeur pas paté nous mais non nous ka étonné pas oublier m'te dit nous ça m'te fait remarque là avec nous pour le ça arriver pas nèg yo ka attaqué un convoi qui gon ambassadeur là dedans nèg yo fusillé ambassadeur ou même pas pas parler pour nèg ici parce que ah tu es Ariel son merde lié nèg yo juste pas gagné ça dans tête yo yo pas gagné projet à peut-être ça pas arrivé mais croisé avec déjà faut clair avoir si nèg ça croisé avec Ariel en pile dans sécurité Ariel il a couru en pile dans sécurité a couru nèg yo pas courir les manifestations parce que bon même si ouais toujours à tirer sur manifestants mais nèg connait manifestants pas gagne zam nan mais vrai nèg connait ça mais si c'est vraiment base nèg ti la pli nèg ti nèg et 400 marozo qui croisé avec un cortège ailleurs nèg a tiré sans problème nèg yo même mal non moun et autre personnalité ça yo de l'international nous ca étonné nous voit que nèg yo croisé avec yon machine qui gagne ambassadeur là dedans nèg tiré ambassadeur et me connaît nèg yo sans froid ni loi nèg yo a fait et nèg yo pas même et pas dormi jusqu'à ça c'est là que tu Jean-Baptiste ta ça ou la vie continue moi même pas connaît Eric même à part que garder dans télé mais l'on nèg et son politicien haïtien et bien ou pas tant rien même de lit ni n'a prend poste ni n'a waouh c'est quelque chose donc ou pas qu'à mettre ou pas qu'à jouer ça jeter d'un revers de main ou j'en ai de tuer cela veut dire que tuer un ambassadeur n'a fait sans problème donc je que me dit nous petit monsieur prend l'autre niveau. Moi c'est si les États-Unis pas garder qui Jean yo capable venir d'en parce que là monsieur ça gain là et nous pas capable pourquoi nous jamais pourquoi nous non au moins faut gagne une aide étranger au moins aide ça qui venir sous toute forme li gen doit c'est aider ou vinn c'est un groupe nèg la ou prend yo entraîner pour nous pendant 6 mois 1 an pour nèg yo faire face avec ça qui a passé là parce que américain pas pour ça d'un bonheur si le un soldat là nèg yo fusil pas oublier ça mais quand même parce que fon gen yon aide étranger. Eh bien m'chapé oui n'a pas l'autre.